Yo, bonjour à tous, vous me demandez souvent des vidéos du golem parce que le golem c'est trop bien, le golem c'est la vie, le golem c'est un archétype du cœur, c'est un archétype bout de bonheur, c'est un archétype balèze, fort, intéressant, cool, il est beau le golem, enfin je veux dire toutes ces raisons d'aimer le golem d'ailleurs. Oh, le golem niveau étoilé 2! Et mystique. Oh, il va être trop beau. On est parti sur du super défi, en golem, prince ténébreux, bébé dragon, histoire de voir un petit peu comment le deck fonctionne. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, ça va être l'occasion d'aller faire un petit peu de golem et également de jouer nous, parce que golem on connaît quand même plutôt bien et golem c'est la vie. Alors, on est sur du live, on est sur du 6 victoires plus un super défi. Prince ténébreux, MG, bûcheron et le gentil caillou, le gentil golem, c'est parti. En termes d'opening, vous ne faites rien sauf si l'adversaire fait quelque chose, ce qui est le cas ici. Le meilleur play, c'était Bébé Dragon ou Fudarbar. Nous n'avions aucun des deux. Incroyable. Incroyable, on est tous très très surpris. Waouh, il a battu lui. Ok. On l'échappe avant qu'il sorte, tac tac tac. Ça va mettre une bonne pression, les Cruisards qui va se prendre le Prince Ténébreux, c'est parfait. Prince Ténébreux sourage, il va sortir tout ça, il va remettre un petit coup là. Ah par contre on doit défendre ça, c'est relou. Sinon on se prend les coups du barbare en plus, c'est ça qui est relou quoi. On l'aurait pas fait sinon, on n'a pas envie de le craquer parce qu'évidemment on préfère l'avoir pour la fournaise. Mais du coup là on est sur ce qu'on appelle une mauvaise rotation. Donc on n'a pas vraiment le choix en fait, on est obligé de jouer comme ça. C'est pas grave, c'est pas dramatique, on a pris quelques dégâts, mais c'est vraiment pas la fin du monde. On va recycler un prince ténébreux fond de map, histoire de l'embêter, et que lui de toute façon ce qu'il va vouloir faire c'est poser une fournaise. Donc si on attend et qu'on lui laisse ses 2 DX en avance, il va juste poser la fournaise, et nous ça nous servira à rien. Là au moins on va mettre quelques dégâts, on va... Les Croyons ? C'est pas mal les Croyons. Ah j'aurais bien aimé qu'il mette pas ses 2 coups sur la tour là. Tant pis. Alors il peut nous foudre, mais s'il nous foudre il se prend un golem cash. Ce sera pas le bon bail pour lui. Il a pu s'aider contre aérien. Donc bon. On va rappeler le dragon par là. Ok. Il va MG aussi après. Le dragon, ok parfait. Ok, nickel. Et ben voilà, on va pouvoir commencer à poser des golems. Ça c'est bien. On va voir s'il a envie de nous punir, mais je pensais qu'il le fasse. Il peut pas, de toute façon, il peut pas vraiment nous punir. Il va remettre une fournaise, c'est tout ce qu'il a à faire. Un esprit sur le dragon, ce qui veut dire que j'ai pas besoin de défendre cet esprit là. Le prochain, j'aurais pas vraiment besoin de le défendre non plus, donc ça c'est cool. On peut prince ténébreux derrière. Là, évidemment, on va devoir lui donner une value foudre. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit la moins vraie possible, la moins puissante possible. Parfait. Ok, on est parti. Alors, mon Y était raté. Je voulais mettre une fois que la foudre était passée, mais ça n'a rien apporté du tout. Genre, de chez personne. En redef. Il va sûrement GR à droite. GR à droite? Non? T'as envie mec, t'as envie, pourtant je le sais quoi. A vous, laisse-toi tromper, GR à droite. C'est pas mal GR à droite. Cette fois-ci on peut faire un beaucoup plus bel électro-dragon. Regardez la value de l'électro-dragon. Regardez. Voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est parti, on va vous pousser un petit peu. Juste un peu, hein, histoire de encore une fois, dire un petit peu bonjour à l'adversaire. Ok, trop bizarre qui tombe. Alors c'est comme ça que ça se joue golem, hein. Ça peut paraître forceur, mais il faut forcer en golem. C'est un deck de forceur. Et voilà. Non, cette version-là, elle est, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de gros sort. Donc ce qui va compter, c'est l'aspect que vous avez... Vous avez en fait deux options de victoire. Vous avez soit vous mettez un golem et plein de gros dragons derrière et vous faites une grosse tornade et tout meurt, absolument tout. Soit vous avez l'option où vous faites du bridge spam parce que vous avez des unités très rapides. Vous avez le B-Dragon, B-Dragon on n'en parle pas. Vous avez l'électro-dragon qui met une bonne pression derrière s'il arrive à survivre. Et si votre électro-dragon survit, vous pouvez mettre bûcheron, fu, prince ténébreux et vous cyclez ça en boucle avec l'AMG. Vous cyclez vos unités rapides et généralement ça va bien se passer. On est reparti contre Zadgei Evan.
Gaiman, c'est pensé à one, that one guy. Alors, on a l'AMJ, le fuit de barbare, le bûcheron. Là, on a que des options défensives au sol, donc c'est parfait. Voilà, par exemple, hop, salut. Ah, ok. Il y en a de quoi, gargouille, fuit de barbare, ok. Sure. Je vais risquer une MG pour la peine, vu que j'ai un petit avantage en elixir. Normalement, je cycle pas fond de map, mais là, bon, pourquoi pas. Mousquetaire. Bah, prince ténébreux. Donc c'est du bridge spam prince, j'imagine. Ok, c'est, en tout cas c'est bien du bridge spam. C'est avec le ballon peut-être. Je force un peu histoire de pareil, dire bonjour à l'adversaire. C'est toujours sympa de, d'être poli et de dire de respecter l'adversaire et de lui dire bonjour. Il a raté hein, t'as voulu sinon. Non, il a raté. Ouais, ça coûte cher. Ouh, ça coûte cher. Oh, bon bah je fais ça du coup, mais tu mérites pas. Ah j'avais pas besoin. Oh non j'avais pas besoin. J'ai claqué une MG pour rien. Bon c'est quelqu'un qui se fait de barbare, c'est pas grave. J'espère qu'un élixir. J'espère que un élixir c'est pas dramatique. Je suis quand même triste. Je suis quand même très triste, mais c'est pas dramatique. Alors ce qui est principal au fond de map. Alors, golem de glace. On va sûrement recycler un bûcheron sur la même lane. Il va mousquetaire derrière pour sniper mon e-drag. Ok. Ensuite, il va bourrer devant le mousquetaire peut-être. Ouais, c'est ce qu'il décide de faire. C'est déjà la vie qu'il a décidé de choisir de vivre. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ces dégâts, quoi. Ah merci le bridge spam. Hein. Vraiment un très très bon deck, le bridge spam, évidemment. Bon, on va quand même golem. Alors, on va se faire bourrer si on golem, c'est le problème. Bon, c'est les free, hein. Clairement, là, on pouvait difficilement faire mieux comme def. Ok. Alors, mousquetaire, pff, oh, ça va être dur ce match-up. Hein. Ça va être extrêmement compliqué. Hein. Comme vous pouvez le voir, il a toutes les options pour nous mettre dans la panade et nous, on n'a pas grand-chose. Hein. En fait, on peut pas golem, à chaque fois il va plus vite que nous. Si on golem, on se fait auxir quoi. Allez, on golem parce qu'il y a le bûcheron qui est claqué là-bas. Au pire, là, il cava à droite, mais c'est pas très grave pour nous. On va juste def au bûcheron, fuite barbare. Ouais. Clairement, ça aurait pu être pire. C'est bien que tu le tues par contre, non? Ouais, je force avec le bûcheron, je rappelle. Quoique. Encore que. Ah oh, là, c'est dur. Ah oh, c'est galère! C'est galère. Oh, c'est raté ça. C'est pas très GG ça. Bah je vais te bourrer. C'est parti. Et voilà. Et voilà qui passe. Allez meurs mon golem. Oh, bon golem ça. Très bon caillou. Raison qu'on avait la tornade pour gérer la cava et qu'il l'a mis bof, ou qu'il la mettait en fait, on avait le bûcheron pour def. On était très bien, ça se passe bien. Let's go guys, let's go guys. Alors, bûcheron, bébé dragon, MG. Très bien. Petite tryhard. Concentré un maximum. Alors, MG, bébé dragon. Ok. C'est pas cool ça. Je fais quoi? Je bourre à droite? Ou je fous de l'EF. Bon, un bûcheron droit au minimum, histoire qu'il cache Goblin. Oh, c'est pas cool. Oh. Bon. C'est def comme ça. J'ai pas récupéré la tornade, évidemment, hein, vous le savez. On va se prendre un coup. On a pas le choix. Hein.
Eh, on n'avait pas le golem! On n'avait pas le golem en main de départ, malheureusement. Ouais, gros début de partie pour lui, du coup. Bon, là, il a plus son molosse, il a plus son ballon. Je pense que je peux golem sereinement sur la lane qu'il a déjà endommagée. Ça me fait gagner du temps. Ouais, ça me paraît être un bon play. Oh, pas la pierre tombale. Non! Non, pas la pierre tombale! Annulé! On annule ça! On refait, mais sans la pierre tombale. On va mettre quoi? Un prince ténébreux avec, du coup? Sud barbare, je peux pas le mettre, il est trop loin. J'ai obligé d'accompagner. Je suis mal et un bûcheron. Il a sur un maître squelette, hein, c'est le problème aussi. Ouais, quel gargouille, c'est bien joué. Juste def comme ça, moi. Ok, c'est pas mal. Il est obligé d'avoir un maître squelette là-bas. Ça me va. Ça me va aussi. Quick trap. Non, Quick trap, mais... Prince ténébreux, prince ténébreux. Regardez-le. Et salut. On est parti à droite. Let's go. Alors, il a l'armée squelette, il a sa pierre tombale. La pierre tombale, on va essayer de gérer ça avec. On va toujours mettre quoi? Un bûcheron derrière, je pense. C'est pas mal, un bûcheron. Nous, il faut que le bébé Raymond connecte sur les gargouilles en face, donc tant qu'il les aura pas posés, on va éviter de... On va quand même le faire, en fait. Il faudra plus que ça, hein. Le ballon, il mettra juste les dégâts de mort, il va devoir rajouter des trucs, ce qui nous arrange plutôt bien, pas se mentir. Je vais remettre un golem cache, quoi. Il peut le détourner avec la pierre tombale, mais il y a la MG à gauche qui va l'embêter. Ah, il est obligé de mettre la plus de flèche, ouais, c'est ça qui l'embête. Je vais mettre un bûcheron histoire de détourner l'attaque. Tac, 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 parfait. Même si le golem meurt, il a déjà mis son coup sur la tour, il va remourir dessus. Le bûcheron, là, il n'y a plus rien pour l'empêcher d'aller connecter. Et normalement, c'est vrai que la victoire. Yeah! Ben voilà, mais ça se passe bien. Mais ça se passe très très bien. Ben voilà, un exemple de comment on peut jouer avec notre golem. Donc, je tente des formats un peu plus courts. Pourquoi? Pourquoi? Pour changer. Parce que j'aime bien faire les formats très longs. J'aime bien faire les formats 40 minutes. Mais des fois, vous trouvez que c'est trop long. Alors bon, c'est vrai. C'est vrai que 40 minutes, ça peut faire long. 40 minutes, bon d'accord. 40 minutes pour une vidéo YouTube, c'est pas le format habituel. C'est un petit peu long. Donc, j'ai envie de tester un format un peu plus court. De faire des petits exemples de decks, de parties. Donc là, on est sur des bons joueurs en face. On est sur du bon gameplay, je pense. On est sur des trucs assez sympas. Donc après, on peut faire évidemment genre 9-1, 12-1, etc. On peut faire les 12 en SD avec. Mais là, ça permet également d'introduire le deck. On n'a pas eu l'occasion de le réintroduire depuis 1-2 mois environ sur le channel, donc de faire du gameplay golem sur du ladder, sur du SD, sur le genre de trucs. Donc ça me permet de faire des petits formats courts, de voir un petit peu bah, si vous appréciez, si vous appréciez pas, etc. Et on va tester un peu comme ça. Donc il y aura des formats plus longs, mais vraiment plus longs. Genre par exemple sur des défis où on est quelqu'un, on s'éclate, on fait du rush, etc. Ça des vidéos longues, mais typées longues. Donc ça, ceux qui apprécient les vidéos longues, ils pourront en profiter. Et ceux qui apprécient les plus courtes ou les petits trucs, ils pourront également en profiter. Enfin en bref, j'ai envie d'essayer, donc voilà, c'est forcément ça. Bah, c'est globalement ma politique, hein. J'essaye, je vois, j'adapte. Excellente journée à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous appréciez ou pas le fait d'avoir un format qui fait une dizaine de minutes de ce type là. Bah, si vous appréciez la vidéo aussi également, et je vous souhaite évidemment une excellente journée. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein, comme ça vous savez directement pour les prochaines vidéos qui arrivent. Incroyable.